Suisse. Hein? La Suisse a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir violé l'article 10 de la Convention sur la liberté d'expression. Alors, c'est vrai que de ce point de vue, ce monsieur s'est défendu. La Cour a pris en compte sa défense. Et de ce point de vue-là, elle a émis le fait que sa liberté d'expression avait été flouée par la Suisse. Suite au fait qu'il a, suite au fait qu'il a nié l'existence du génocide des Arméniens. De 1915 et autres années. Par contre, la Cour européenne a émis une autre concernant la protection de la dignité des victimes et l'identité des Arméniens par l'article 8 de la même Cour européenne sur les droits au respect de la vie privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, voilà, pour beaucoup d'entre nous ici présents, on a une carte d'identité d'Arménie occidentale. Cette carte d'identité d'Arménie occidentale est officiellement aujourd'hui protégée par l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi particulièrement celle des Arméniens d'Arménie occidentale? Puisque la Cour européenne des droits de l'homme ne conteste pas le fait que la communauté arménienne constitue un peuple, soit tout au moins une ethnie, qui se réclame en particulier dans son histoire marquée par les événements de 1915. Ça veut dire que la Cour européenne fait le lien entre nous, ici présents, le génocide qu'on a subi, que nos parents ont subi, et la protection de notre identité actuelle. En tant qu'Arménien, là on ne parle pas des Arméniens de Suisse, ou des Suisso-Arméniens, ou des Franco-Arméniens, ou des Américains-Arméniens. On parle des Arméniens, point. La Cour ne parle que des Arméniens. C'est-à-dire ceux, c'est-à-dire vous, qui vous revendiquez, comme nous faisons partie, que vous ayez le sentiment d'appartenance à ce peuple, que vous revendiquez comme faisant partie de ce peuple. Donc, reste à savoir pour nous. Alors, là-dessus, la Cour a émis aussi une position. Elle a dit qu'il faut admettre que le génocide des Arméniens est un fait avéré. C'est-à-dire que, quelque part, on essaie de nous faire croire que la Cour n'a pas reconnu le fait du génocide. La Cour ne se positionne pas, précise son incompétence pénale, c'est-à-dire précise le fait qu'elle ne peut pas pénaliser la négation, du génocide des Arméniens. Elle dit qu'elle n'a pas la compétence. Et elle nous renvoie sur des cours, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice et d'autres cours. Et c'est noté tel quel, c'est-à-dire qu'elle nous guide quelque part. Elle dit que moi, je ne peux pas m'occuper de cette affaire. Allez voir là-bas. Allez voir ailleurs. Par contre, ce que je peux faire, c'est, avant que vous alliez là-bas, moi, je reconnais votre identité en tant qu'Arménien. Je reconnais que vous êtes un peuple, ça c'est important. Bien, jusque maintenant, on était quoi? On était une communauté, religieuse, pas religieuse, ça dépend de qui, de quoi. Personne ne reconnaissait notre ethnicité. On sait qu'on a une culture spécifique, mais on sait tout sur nous. Hein. On a une culture spécifique, on connaît notre histoire, on connaît nos sensibilités, nos valeurs traditionnelles, notre langue. Mais tout ça, ça n'a jamais été reconnu, par aucune cour. Aujourd'hui, c'est la Cour européenne. Moi, j'invite tous les Arméniens du monde entier à venir vivre en Europe hein, pour renforcer notre position sur ce territoire. Un autre phénomène est apparu, c'est la question, en fait, qu'est-ce que c'est que le génocide des Arméniens? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, on sait qu'il y a eu un génocide, et tout le monde convaincu qu'il y a eu un génocide, mais même les Arméniens ne présentent pas de la même façon le génocide. Et on parle souvent ici
de l'année 1940. Et moi, quand je prends la déclaration de M. Sarkozy, du 29 janvier 2015, M. Sarkozy, et donc, qui représente une déclaration pan-arménienne, c'est-à-dire nationale, réunissant toutes les composantes du peuple arménien, on déclare que le génocide a eu lieu de 1894 à 1923. Donc, on est là plus sur une vérité historique de l'intention génocidaire de détruire une population. Sur trois gouvernements successifs, le gouvernement d'Abdoul Hamid II, le gouvernement Déjeuner, le gouvernement Kémaliste. Si déjà, je vais vous dire, il faudrait quand même pouvoir présenter devant n'importe quel cours la question du génocide des Arméniens dans son intégralité. La question du génocide des Arméniens n'a jamais ne se présente pas dans son intégralité. On parle de 1915. Aujourd'hui, vous avez le Paraguay qui reconnaît le génocide des Arméniens. 1915-1923. C'est-à-dire que mon étant, il se rapproche d'une réalité, d'une vérité historique, et mon étant donc la période jusqu'à 1923. Alors c'est étonnant parce que en 1920, l'État arménien a eu reconnaissance, a existé, et le génocide s'est poursuivi. Donc ça veut dire que le fait d'aller jusqu'à 1923, d'ailleurs, je suis sûr que la plupart des gens, vous ne savez pas pourquoi on dit 1923, mais ça peut-être qu'on en parlera, eh bien, ça veut dire que le génocide s'est poursuivi sur l'État d'Arménie, sur l'Arménie occidentale. Et quand la Russie, dans ses quatre, la Douma russe, dans ses quatre reconnaissances, précise à chaque fois que le génocide a été subi par les Arméniens en Arménie occidentale, elle sait bien de quoi elle parle. État légal qui a été admis par les grandes puissances est la nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre État, on ne peut pas l'appeler Kurdistan septentrional, ça n'a jamais existé un tel État là-bas. Il n'existe ni dans les faits, il n'existe ni dans l'histoire, il n'existe ni dans les traités. Donc, nous allons en fait inviter toute cette population qui vit sur ce territoire, quelles qu'en soient leurs origines, quelle qu'en soit leur religion, quelle qu'en soit leur ethnicité, qu'ils soient arméniens convertis, qu'ils soient arméniens cachés, kurdes, alévis, grecs de Pont, etc., à rejoindre l'État de l'Arménie occidentale, démocratique, multiconfessionnel, moderne et multireligieux. C'est ça un État démocratique à créer sur une terre martyrisée. Ça doit être notre slogan. Et là, je pense que... Je vais ajouter quelque chose. Voilà. Je vais ajouter quelque chose que vous soyez informé, parce que c'est important que vous le sachiez. Les Grecs comptés, en masse, commencent à demander la citoyenneté de l'Arménie. Donc ça, c'est un phénomène qui est nouveau. Ça se diffuse très vite, surtout aujourd'hui en Grèce, et ça fait bouger pendant un moment. Non, après, il y a d'autres phénomènes très importants, vraiment de se sentir le besoin de cette population de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire le mouchisme. Moi, je l'ai vu, ils étaient, je sais pas, on était ensemble au restaurant, 30 personnes, ils appellent ça Yerevan, là, en haut, on voit tout Yerevan comme ça. Ils étaient vraiment étonnés, ils regardaient comme ça, etc. Mais toute cette population, ils rêvent qu'il y a le vent. Il n'a rien à foutre. La Méditerranée, il ne sait même pas nager, tous ces gens-là. Non mais, c'est vraiment... C'est la même landschaft. Oui. C'est la même terre. Oui. On se trouve vraiment... si tu peux montrer les photos là, ça c'est très intéressant, là. Ils ont les photos. Je peux confirmer ce que dit M. Sarkozy parce que en allant sur place. Oui, photos de En allant sur place, il y a une soif d'arménité par cette population. Ils ont soif d'apprendre l'arménien.
regarde, là ça fonctionne. Mais dis combien de fois tu ne les éparges. Si ça, 5-6 fois, tu vas m'amener aussi longtemps, chaque année. Oui, oui. Enfin, de toute façon, on a une responsabilité par rapport à nos populations. Et on est obligé d'aller sur le terrain. Voilà. On parle toujours de 1,5 million d'Arméniens, mais si vous allez à Aix-en-Provence, le Grand Boulevard, je ne sais pas comment il s'appelle là. En France à Paris. Aix-en-Provence. En haut de ce grand boulevard à droite, il y a un bistrot sur une terrasse, là, il y a un monument, une commémoration du génocide des Arméniens. Il ne parle pas de 1,5 million, il parle plus, et il ne parle pas seulement de 1915, il parle aussi du... Oui, mais aujourd'hui, notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir nous transformer en un État. Ça veut dire génocide, reconnaissance et après. Après quoi? C'est-à-dire, le problème, c'est que si vous dites que vous êtes seulement un peuple diasporique, n'est-ce pas? Vous êtes français, vous êtes suédois, vous êtes suisse, etc. Mais si vous dites que vous êtes la nation exilée de ces territoires authentiques, là, vous avez des droits. C'est aujourd'hui, par exemple, les Palestiniens, beaucoup des réfugiés n'ont même pas pris des passeports étrangers. Ils se baladent avec le passeport de réfugié. Au Liban, on ne leur a pas donné. On ne leur a pas donné. Donc, simplement, c'est un peuple exilé à la qualification de retour. Mais un peuple qui est devenu X ou Y, qui se dit diaspora, on est diaspora de qui? On n'est pas diaspora de l'armée. Nous sommes des diasporas de nos propres terres, nous sommes exilés de nos propres terres. La diaspora de l'Arménie, c'est les Arméniens qui ont quitté l'Arménie maintenant et qui vivent dehors. Ça, c'est la diaspora de l'armée. Mais j'ai une solution. Vous faites comme les Juifs, tous les Juifs du monde, ils ont un passeport israélien, même s'ils sont n'importe où. Alors, le passeport de l'Arménie occidentale, voilà, il faut le faire valoriser voilà. Tous les jours. Je passe à mission. Tout à fait. Alors, la question. Moi, je voudrais revenir sur l'appel de la CEDH. Puisque vous avez une juriste, un docteur en droit, c'est Marie Lavillon, qui a émis un article récemment dans le Huffington Post, et j'aimerais avoir votre réaction sur cette question. Je ne suis pas juriste. Donc, j'aimerais avoir votre réaction. Alors, justement, elle dit le traité de Sèvres sera remplacé par le traité de Lausanne de 1923, marquant alors l'effacement de la vision arménienne sur la scène internationale. C'est faux. Voilà. Alors, donc, on a affaire à une personne de la lettre d'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui est juriste, c'est une personne qui, malheureusement, n'a pas consacré beaucoup de temps à l'étude de Sèvres. Je vais vous dire, dans le traité de Sèvres, je répète, d'abord le traité de Sèvres, il y a plusieurs parties. Il y a 433 articles. Donc il y a plus de 21 parties dans le traité de Sèvres. Et il y a un pacte, qui est le pacte relatif à la Société des Nations, qui se trouve à l'intérieur du traité de Sèvres. C'est-à-dire que même l'existence de la Turquie comme membre de la Société des Nations, est lié d'une façon ou d'une autre au traité de Sèvres. Cette personne n'a pas lu le traité de Sèvres, n'a pas étudié cette question-là, donc elle émet une affirmation, malheureusement, sans savoir approfondir la question. Le traité de Sèvres, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un traité qui détermine l'existence et l'indépendance de l'armée occidentale. Hein. C'est une conséquence, puisque nous sommes signataires du traité de Sèvres. Deuxièmement, pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a émis cet avis par rapport à l'arrêt de quelqu'un rapport? Donc, il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand même, qui essaient d'effacer, de détruire encore ce qu'ils peuvent effacer ou détruire. Est-ce que c'est fait volontairement? Ben, c'est écrit, quand même. Donc, il y a un acte volontaire. Le génocide arménien de 1915, sans le traité de Sèvres, pour pouvoir faire quoi? Protéger la France? Cette personne peut protéger la France, on ne pourra pas le protéger. Parce que la France, on va la mettre devant sa responsabilité d'honorer la parole donnée. Mais donc, soyons un peu plus clairs et plus compréhensibles. Aujourd'hui, traité de Sèvres, c'est comme une boîte à Pandore, ou bien c'est comme une Bible. La grande population arménienne ne sait pas. Les points forts. C'est ça qu'il peut être aussi. Je vais dire autre chose aussi.
Pourquoi sans qu'il y ait mention ni de traité de Sèvres ni de traité de Lausanne, devant cette décision, cette personne a émis un avis négatif sur une des grandes, je dirais, éléments de la cause arménienne? Pourquoi il fait ça? Il essaie de minimiser la cause et protéger la cause. Protéger qui? La France. Deuxièmement, la France. Deuxièmement, malgré ses qualifications juridiques, je regrette, je sais lire aussi un traité, j'ai lu du A à Z le traité de Lausanne, il n'y a aucune mention, aucun article qui dit que le traité de Sèvres est remplacé par le traité de Lausanne, il n'y a aucune mention de l'Arménie, il y a la délimitation des frontières entre la Grèce et la Turquie, et la Bulgarie et la Turquie, et la zone sud, c'est-à-dire Skalpiko, qui est avec l'Irak et la Syrie, puisque la question arménienne a déjà été résolue. Ben, réponds à ce cas-là, alors. Mais oui, a déjà été résolue. Il parle de qui, là-dedans? Il n'y a même pas mention d'Arménien. Il y a mention des droits des minorités vivant en Turquie. Et ces droits des minorités sont totales. Ce que nous ne savons pas, en Turquie, on croyait que le droit des minorités à établir une école, une église, etc., se limite à Istanbul. Non, c'est sur l'ensemble de la Turquie. Sortons ces points-là. Il y a tous ces points, on peut les sortir. Mais personne ne lit les traités, ils affirment ce genre de trucs. Mais il faut lui répondre, alors. Il faut lui répondre, juste pour essayer de recentrer le débat, parce qu'effectivement, donc, là, vous avez parlé du traité de Sèvres, mais encore une fois, le traité, que ce soit le traité de Sèvres, que ce soit ces notions de reconnaissance, etc., après 100 ans, après le génocide, on se rend bien compte que maintenant c'est un débat qui est dépassé. On ne parle plus de reconnaissance. Là, on est en train de parler de notions nouvelles, enfin qui semblent nouvelles, alors que nos grands-parents parlaient déjà. Quand on parle d'Arménie occidentale, maintenant c'est plus un gros mot. Je veux dire, c'est rentré dans la sémantique de la cause arménienne. L'Arménie occidentale, c'est une réalité. C'est une réalité, à savoir que ce sont des territoires et c'est une population qui existe. Comme l'a dit M. Sirmakès, jusqu'à présent, il existait quoi? Une république d'Arménie avec des Arméniens, et puis un peuple en exil, qu'on appelle la diaspora. Et au milieu, il n'y avait personne d'autre. Sauf que maintenant, en tout cas, le bilan de ce centenaire du génocide, c'est que ces trois composantes existent. À savoir que, effectivement, vous avez une république d'Arménie. Ça, c'est incontestable, avec les Arméniens. Vous avez ce peuple en exil, qu'on appelle aussi Ardennes, qu'on appelle la diaspora, mais c'est un peuple en exil, parce que la diaspora en elle-même, elle existe, ça fait plus de 1000 ans que les Arméniens sont à l'extérieur. Ils rayonnent de partout. Voilà. Et puis, vous avez cette composante qui est sur place. Donc, vous avez une république d'Arménie, vous avez l'exil, et vous avez des gens qui sont, cette population d'Arméniens, sur des territoires libérés comme en Artsakh, ou sur des territoires occupés, qui sont, par exemple, en Arménie occidentale. D'accord? Donc ça, on ne doit plus revenir là-dessus. On ne doit même pas en discuter. C'est une réalité, c'est un fait. Voilà. Parler de reconnaissance, là aussi, hop, on se laisse distraire. C'est pas ça. Là, les enjeux de la cause arménienne, c'est quoi? C'est les réparations. Ce sont les restitutions. Voilà. Donc, alors, vous êtes là pour ça. Alors, sur la question des réparations et des restitutions, ça fera l'objet d'une prochaine table ronde, parce que c'est un dossier qu'on a présenté à l'ONU en juillet. Donc je vais vous présenter le dossier. Le dossier n'est pas diffusé. Très bien. C'est quelque chose qu'on garde bien au chaud. Et je vous présenterai les grandes lignes de ce dossier. Je vous montrerai comment on a établi. Nous, c'est des réparations conséquentes au génocide de l'Arménie. De 1894 à 1920.